Wesh les boys, c'est Mac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un match et pas n'importe lequel. C'est le derby du Nord. Lille accueille Lens ce soir au stade Pierre-Mauroy et ça va être le feu. On entend déjà les pétards, les sirènes de police. Les gars, je pense que c'est une dinguerie. On a hâte de voir ça, on se retrouve devant le stade. C'est parti! Eh, hey, ça sent le fumigène. Ça sent d'ici, putain. Ils sont là. Les gars, on arrive pile au bon moment, les joueurs qui sont en train d'arriver. Et c'est la folie, fumigène de partout. Les pétards. L'ambiance les gars, hey, ça annonce du feu. Hein. Le parvis vous est envoyé. Ah l'odeur. On retrouve à l'intérieur du stade. Quelle dinguerie les gars, on va aller s'installer. Hey, ça en dit long tout ce qui va se passer, vraiment. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Quelle dinguerie. Ça te parle, n'est pas un Lillois. Et là les gars, ça c'est une ambiance qui sent le derby. Hein. Là c'est, ça change par rapport à d'habitude. On sent que l'intensité elle est montée de 3 crans, vraiment. Eh, ça nous rappelle les derbys que nous on a vécu à Montpellier. Bon, c'était Montpellier-Nîmes, quand Nîmes est monté en Ligue 1. On sent la même énergie, tu vois, la même violence, là. La même haine de l'adversaire. Ça, c'était fou, hein. Ah ouais. Eh, écoute, on va voir ce que ça donne ici, mais là, pour l'instant, c'est parti sur des bases très 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 élevées, hein, vraiment. Les gars, on est à plus d'une heure du match et la DVE, là, la tribune est déjà bien blindée. Normalement, on nous annonçait un tifo énorme de ce côté là-bas, aussi un tifo de ce côté-là chez les GRS, qu'on verra pas malheureusement, puisqu'on est juste au-dessus d'eux. Mais il y a moyen de se régaler les papilles. Oh les gars, ça siffle de malade mental pour l'entrée de Brice Samba. Et en plus d'être un derby du Nord, c'est aussi un match très important pour la course à l'Europe, les gars. Il est quatrième, Lens est sixième, un point d'écart. La victoire va valoir très très cher. Et ça va être aussi un match des ambiances entre les DVE, qu'on entend bien, mais aussi les supporters lensois qui seront plus de 1000. Ah, ils sont fire, vraiment un fire, impressionnés les gars. Oh, il y a les lanceurs. Là, c'était une entrée mouvementée. Voilà les gars, je comprends pas cette défense. Ils veulent péter le filet, je crois, vraiment. Mais en fait, je sais pas. Mais s'ils le pètent, ils vont tomber. Bah, c'est ce que je me dis là, vraiment, premier degré. Ça y est les gars, c'est parti. Là c'est bon, ils sont arrivés, c'est parti. Là ça balance des insultes de tous les sens. Hein. Du coup en plus il y a plus de lanceurs que dans le parkage parce que ça déborde un peu sur les côtés. Ils ont un peu envahi la tribune juste à côté du parkage visiteur. Je sais pas, c'était trop autorisé. J'espère que ça va pas partir en couille les gars, vraiment. Les gars, 20 minutes du coup d'envoi. Vous connaissez la tradition, les fameux pronos de Faustos. C'est ton mien, il est juste à ma gauche. Faustos, c'est quoi tes pronostics? C'est une victoire de Lille avec victoire 2-1. Avec un petit but de Wahi parce que vous savez, il vient de Montpellier, c'est le sang. Je veux quand même qu'il marque, mais que Lille gagne parce que ça va être une dinguerie dans le stade. Moi, je vais être plus catégorique. Moi, je veux plein de buts encore. J'adore les buts et je vois aucune clim. Moi, je vois 3-0, les gars. Ça me rappellera Montpellier-Nîmes, il y avait eu 3-0, je m'en rappellerai toute ma vie. Là, je pareil, Lille 3, Lens 0, les gars. Et là, ça va être la compo de Lens. Ah, ça va... ah ouais, je pense pas. Ah ouais, on n'entend même pas, les gars. On n'entend même pas le speaker parler. Je vais vous remercier pour ce que vous avez fait.
fumigène là. Là, on reconnaît, on reconnaît. Incroyable. Et ça a troué le filet du côté lensois, donc je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. On verra bien. Réponse dans 5 minutes, 5 minutes. Là, là, les galops tifo est magnifique. Hein. Et il remplit tout le stade en plus. Quel délire les gars, quel délire. Ah ouais, ça craque de partout là. Ça craque de partout. C'est incroyable les gars, magnifique. Ah, les tifons en 3D comme ça, c'est magnifique en vrai. On voit plus rien dans le stade, il y a de la fumée de partout. Ah, ils ont tous fini. C'est un tour de magie. On comprend même plus les chants. Ça vient de tous les sens, vraiment. Il y a juste un brouhaha de ouf. Ça fait gros match, mais on distingue pas vraiment les chants. Mais bon, après, ça fait ambiance de grosse soirée, quoi, tu vois. On attend que ça s'électrise un peu. Oh! Les deux buts sont devant nous, c'est incroyable. J'espère. Les gars, on se retrouve pour cette seconde de mi-temps.
Ça pousse fort les gars, ça pousse fort, ils veulent casser, ils veulent plier le match. C'est la bagarre les gars, ça se tend sur le terrain, là ça se tend vraiment. C'est un derby, là c'est un vrai derby. Magnifique les gars, à chaque intervention défensive, bonne action. Le stade qui fait de ça comme un but limite. Hein. Ça, c'est un arrêt qui fait du bien, les gars. Allez, je la vois dedans. L'arrêt incroyable. La sortie de Zegrova, sous nos applaudissements, sous une ovation, a doublé. On nous avait dit qu'il était chaud pour ce match. Il a répondu présent. Incroyable, les gars. Aïe, oui. Il y a but de Wai et je suis choqué. Attends, il y a des lanceurs partout. Il y avait des lanceurs partout, les gars. Les gars, il y avait pas de clip, c'est quoi ce bordel? Ah ouais, je suis choqué. Je suis choqué. En fait, ils se taisaient depuis le début et là, ils ont tous crié. Bah oui. Bah après, en soi, ils font pas les malins, c'est bien. Putain, il y en a beaucoup. Ouais. Putain, ils ont crié, il y a le cœur qui a crié là. Ah, mais là, ça remet du piment pour la fin de match, ça va être chaud. Attends, qui a marqué? C'est Wai qui a marqué. Oh putain, les gars, je vais en prendre un, tout parfait. Ouais, faut pas que ça parte. Et évidemment, ça a allumé le parkage, mais putain, tout le monde s'est démasqué. Hein. L'undercover, là, ils ont dû se perdre. Hein. Ah, je suis choqué. Ah, franchement, ça m'a choqué. Oh, le Chiquinico. Oh, 6 minutes de temps additionnel, les gars, 6 minutes. Aïe aïe, tu penses que tu vas. Ouais, tu penses que tu vas gagner le prono là? Ça tient les potes. En vrai, ça a l'air d'être bien parti. Hein. Oh! Mais si Cam là il met celle-là. Alors là c'est le volcan. Fin du match, victoire de Lille dans ce derby du Nord, 2-1, le stade qui a explosé. J'avais le bon prono. Elle a le bon prono, tout parfait, but de Wai et tout. Ça améliore les gars. Quelle ambiance de folie, c'était un plaisir de vivre ce derby du Nord, l'ambiance était incroyable les gars. Si vous avez kiffé, mettez votre meilleur pouce en l'air, abonnez-vous, on se retrouve au prochain match. Parce que c'est pas fini hein. Ça arrive vite hein. Allez, ciao, ciao.